Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Dragon's Dogma Dark Arisen. Oh. Donc, chers amis, nous avions donc l'auberge ici, le bonhomme qui nous avait littéralement agressé à notre entrée en ville ici, et nous avions, me semble-t-il, voici l'herboriste Camélia. Ah oui, oh, le vieux souvenir. X, alors faudra penser à rengainer les armes de temps en temps. Hein. Justement, ça me fait penser à tout ça. Nous ne faisons pas dans les grimoires ici. Oui, c'est la fameuse quête, vous savez, le mec qui cherchait un grimoire de puissance magique. Nous sommes des honnêtes commerçants. Ces livres magiques sont bien souvent des inventions ou alors des objets volés. Oh, voilà une idée pour vous. Pourquoi ne pas demander à un voleur? Ils ont bien plus de chances d'en avoir qu'une honnête femme comme moi, je vous le garantis. Eh ben non, vu que tu m'envoies chier, je ne vais pas acheter chez toi. Non mais oh, le commerce, tu sais ce que c'est, ma grande? Fouiller le repère des voleurs. Par contre, oui, on va essayer de se trouver une pierre, chers amis. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille demander à lui, hein. Ah, say friend, have you chanced upon a strange old man of late? Shady mean, queer mumbling. Une tête patibulaire est toujours à marmonner. They call him the Elysian, a name I hear far too oft these days. Ouais. Well, keep the man in mind. I've business. D'accord, t'as du business à faire avec lui, pourquoi pas? Let us hire a pawn. Seems you're at the center of the storm, or perhaps it's you. Ok, si tu le dis. Map. Faut que je trouve une pierre. Ah oui, non. Enfin oui et non, je ne veux pas. Et pourtant je veux, mais je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je veux? Mais non, je ne veux pas. Bon. Dans le journal de quête, chers amis. On a une chier de quête déjà. Triomphé de 24 chauves-souris géantes, ça on pourra le faire. Question de Myrmidon, le chef de la guilde. Ça, il faudrait qu'on aille le faire. La guilde des pions, dans le secteur ouest de la capitale. Secteur ouest de la capitale qui est, disons-le clairement, le secteur de mise à l'écart. Vous voyez, il m'y emmène tous. State your business. Pawn guild, is it? All right. Through here and to the left. Just don't make a nuisance of yourself, eh? Oui, oui. Alors contrairement à ce que j'avais dit sur les mods la dernière fois, comme quoi ils allaient être, c'était à vos risques et périls. Chers amis, il y a Nexus qui s'est mis à faire des mods dessus. Wow, ils sont équipés ceux-là. Ouais, celle-là j'en ai déjà un comme ça, mais celui-là par exemple il est équipé. Oh, il est moche aussi. Oh mon dieu. Bonjour. Ah ah, voilà ce que je cherche. Bonjour. Welcome, Arisen. We have awaited your coming. Mm-hmm. This pawn is called Barnaby. I tend to the affairs of the Pawn Guild. D'accord, il s'appelle Barnaby le pauvre. The guild serves as a place of rest for pawns and as the gate to the Everfall. Okay. The Everfall lies beneath Grand Sorin. It is a place of great importance to our kind. Si tu le dis. But for now, let us rejoice in the coming of the Arisen. Oui, il a la même cicatrice que tous, hein. Ok, c'est cool. Je vais avoir besoin de ça. Hop. Alors, nous sommes niveau 15, par conséquent, il nous faudra des pions, oui, de niveau 15. Hein. Face, c'est les niveau 12, donc tu te casses, ma grande. Renvoyé. Oui, je vais t'offrir un cadeau. Tiens, ça tombe bien, j'ai de la bouffe à varier. Hop, apparence, très jolie, on me fait penser un petit peu à Yuna. Combat, je m'en rappelle plus trop, hein. Assistance, je m'en rappelle plus trop non plus. Hop. Félicitations, vous avez un certain style. Hop, le pion a pris votre message. Séraph. Parlez. Renvoyez. Hop. Parce que tu avais un bon... Oh, filet de bête pourri. Ah d'accord, il y a deux. Ah bah tiens, je donne le filet de bête pourri. Apparence, apparence, combat, assistance, je ne m'en rappelle pas. Il me semble que dans le reste, elle était bien. Combat, art du combat, une grande source de connaissances, talentueux dans tous les domaines. Combattez activement l'ennemi. Hop, voilà. Alors.
Il nous faut donc... Normalement, il nous faudrait un garçon, une fille. Ok, t'es stylé. T'es incroyablement laide. Toi, tu me colles un peu trop au cul, tu te casses. Tu te casses. T'as pas d'équipement. Non. Toi, t'es stylé. T'es stylé, t'es stylé, t'es stylé. Non, reviens. Non. Faut un minimum d'équipement quand même, hein, pour entrer dans le groupe. Hein. Elle a l'air plus ou moins équipée, mais... Ah. Ah, là par contre, on a un vrai bouclier. Je pense que je te prends, toi. On a un vrai bouclier. Alors on n'a pas encore les... Ah, par contre, elle est très très bien dans sa classe. Recruter. Là, on a un vrai bouclier. C'est génial. Et là, on a une archère. Dommage, j'aurais préféré une heal. Est-ce que je peux, normalement, je suis censé pouvoir... Ça, c'est l'apparition du truc. Allez, pardon. Hop. Je suis censé pouvoir, par exemple, si je veux rechercher par niveau, niveau 15, oui, pourquoi pas. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas vraiment par niveau que j'avais envie de faire. Hop, critères de recherche. Voilà. J'ai bien un heal. Ok. Par niveau, par classe, par compétence principale. Alors, par compétence secondaire. Hop. Plutôt partir là-dessus. Ok. Ok. Retour. Quitter le menu et normalement... Il devrait venir, non? Ah, voilà. Lucie, qui a de l'équipement. Yisha, qui a de l'équipement aussi. C'est censé y avoir une troisième, non? Excuse-moi. Non, mais je vais te renvoyer, donc... Ok, très bizarre. Ça m'est fait... Bon, c'est pas grave. Il y en avait une troisième, non? Je me suis pas planté. Là, voilà. Capoel. Ah, là, la fameuse armure... J'ai jamais su si c'était une armure mieux ou moins bien en fait. Détail. 713, 730. Juste pour voir, on va le voir ici. Hein. Ah. Eh ben écoute, je t'emmène, t'as gagné, t'as la petite couronne, je t'emmène. Hop, c'est parti. Alors, on se barre. Et on va aller faire quelques quêtes, chers amis. Quelques quêtes pour augmenter notre niveau. En l'occurrence, pourquoi pas la quête avec les voleurs. Ça pourrait être sympa. Oui, j'ai bien compris. Donc, au niveau de la classe, j'ai pas changé la mienne, je pense. Hein, je ne crois pas. C'était ici normalement. Rang guerrier, voilà. J'aimerais finir cette classe avant de commencer une prochaine. Bah, pourquoi tu me... On profite aussi pour sauvegarder et continuer. On a quand même changé de pion, donc là, fallait bien sauvegarder. Oui, j'ai bien compris. Oui, mais elle me refait le coup du... Oh merde.
C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Non, pourquoi enregistrement? Quoi? Quoi? Mais c'est pute. C'est pute. Il devrait y avoir un système pour faire attention quand on... Gars. Gars. Fermé, vous n'avez pas la bonne clé. Ah bah bien. Tiens, des fers. Un grand champignon. Bah bien, je suis en tôle maintenant, voilà autre chose. Putain. Tu l'as vu. Tu la verras plus. Oh putain. J'ai même pas accès à mon inventaire. Oh. Mais c'est génial. Faites chier. Ah. Mais non, je vais récupérer la pierre. Hop. I pour inventaire. Ça marche pas. Équipement, non. Gah, blablabla. Et oui, je suis en train de toucher à toutes les touches pour voir si ça va faire quelque chose. Parce que normalement avec une pierre, je devrais être en mesure de faire quelque chose. Ça y est. Quoi? Toujours. Fallait que je le soudoie le bonhomme. Non mais le mec il a cru quoi. Ah j'ai aucune compétence spéciale. Les mecs, c'est pas drôle. Do as you're told and a bit of coin will buy your freedom. Non. Ah non, 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 je vais pas me laisser marcher sur le pied par un trou du cul, hein. Surtout que j'ai juste pété un... une échoppe, je suis désolé, hein. Bon. Bon, 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 bah il... Do as you're told and a bit of coin will buy your freedom. Ah non. 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 Moyen de passer par là, non, c'est mes latrines ça. Oh putain. Putain. Ah puis c'est pute la sauvegarde juste après, c'est vraiment vraiment putain. Franchement je suis écœuré. Non. Bon. Bah écoutez, jeu de merde hein. Je reviens, je vais voir ce que je peux faire sur internet. Parce que là je vois pas trop si je suis obligé de payer, c'est naze. Si je suis obligé de payer, de toute façon je hack le jeu pour avoir des milliards et des milliards. Et bien chers amis, comme je n'ai pas choisi comme je n'ai pas encore avancé dans la quête principale, je suis obligé de payer le mec. Je suis obligé de le payer hein. Tout ça pour un putain de misclic pour mettre fin à un dialogue. Ah la gueule. J'ai la haine. Je peux vous le dire, j'ai la haine. Sinon, faut attendre, alors je peux pas vous le dire pour ceux qui ont fini la comment, qui ont fait la, qui ont assez avancé dans la quête. Faut attendre 48 minutes IRL pour sortir. Putain. Quand on vise des châteaux, oui, bah va te faire foutre. Mon équipement, sale con. Oh là là, c'est génial. Merci, jeu. Je prends plaisir à jouer. Oh là là. Connard.
Ok, c'est bon. J'annonce, je vais reprendre la classe voleur, hein. Rien à foutre. Ouais, ouais, je sais bien, j'ai bien compris, merci, va te faire foutre. Va te faire foutre. Il n'y avait pas un moyen de téléportation dans ce jeu aussi au passage? Oui, puis il faudra que je vienne dans une de ces maisons de nuit, je m'en rappelle de ça. Putain. Ah oui, puis il y a une chier aussi de choses à faire. Hop, je commence à me rappeler de tout ça. Des trucs qui datent d'il y a plusieurs années, mais c'est pas grave, rien à foutre. Oh, c'est où qu'il faut qu'il monte? Voilà. Voilà. Et un endroit. Trou du cul. Voilà, clairon martial. Ce truc là, je crois, sans trop me tromper. Oh mais qu'il est con. Rattrape-toi sur tes pieds, merde. Oh mais enfin bon, c'est pas grave. On va aller se payer une chambre. Histoire qu'on ressorte au matin. Oh putain. Ta gueule. Ta gueule, ça me coûte trop cher. Hop, c'est parfait. Bon. Bah la prison, ça change un homme, chers amis. Hein. Accès au serveur, accès au serveur. Non mais attends, attends, attends. J'ai pas une connexion moisie. Hein. Vos serveurs, ils sont moisis. Hein. Oh putain. Mais on vient de l'avoir, l'accès au serveur, sale cône. Tes bougies sont violettes, au fait. Peut-être tant que tu le remarques depuis le temps. Oh là là. Ce calvaire. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oh putain. Mais c'est pas possible! Allez, hop! Le jour se lève, génial! Alors, journal. 50 clairons matinaux, vous voyez? Récompense, faucheuse dame. Un livre dangereux, bah tiens! Hop! Crac, ça c'est fait! Comment ça, which group? Comment ça, which group of bandits? Il y a des millions de bandits? Regarde, c'est la carte qu'il me faut. Oh merde. Ah oui, c'est vrai. Elle se déplace comme ça. Il y en a un au sud, mais il y en a d'autres? Oh putain. Mais on va au sud parce qu'il y a, grande, il y a l'autre ville là. Personne ne l'a fait cette quête? Non? Génial. Vous m'êtes tellement utile, les filles. Hop. Bon, y'a rien par là. J'ai toujours pas de pioche. J'ai toujours pas de pioche. Bon, cet endroit-là, on va le visiter la prochaine fois. Des bandits, des... d'autres saloperies. Alors, là, par exemple. Non, c'est pas des gobelins, c'est faux. Vous pourriez apprendre à viser, par contre, les filles, ça serait cool. Hop les, ça c'est fait. Hop les. Ok, donc on va retomber sur toutes les...
Hop les. Un tas de minerais. Oh, j'ai pas réussi. Bien joué les filles. Et du coup, on a un mec avec nous ou pas? Pas du tout. Bon bah tant pis. Hop. Je me suis même pas rendu compte que j'avais été touché. Attendez, rassurez-moi, c'est bien le bon endroit pour prendre la route. Ah, c'est chiant. Bon, je présume que oui. Poste de la montagne, d'accord. Oh, on pourrait peut-être même aller se refaire le l'ogre, mais bon, il va, ça juste pour la quantité d'XP qu'il va apporter, quoi. Waouh! Salope! Ouh, joli! Joli, 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 joli. Très, très, très joli. Merci, Lucie, t'es efficace, toi, au moins. Je vais l'énerver. Ok, ça va. Bon, elles sont efficaces. Hein. Elles sont clairement efficaces. Alors. Hop. Ah, c'est haut. C'est haut. Je vais mourir. Wouhou. Elle m'a chopé au vol. Merci les filles. Putain, heureusement qu'elles sont là, hein, nom de Dieu. Hop. Il va me falloir une classe de voleur. Peut-être que je vais prendre la classe archer. Hop. Boum. T'es trop approché, toi. T'es stupide. Alors là, il y avait les deux personnes en moment auquel j'ai fait très très peur. Le chalet. Toujours là. A cloud of unease hangs out. A cloud of unease hangs over the land these days. D'accord, vous dites la même chose tous les deux, d'accord. C'est vous qui voyez, hein, moi je vais pas vous juger pour ça, hein, mais. Ah bon, c'est très bizarre quand même. Hein. Oh. C'est ces petites noix. Il n'y avait rien. Est-ce que je peux le casser? J'en doute. Oh, un coffre. Jambière de fer. Oh. Ça, ça peut être sympa à équiper, ça. Bon, elles sont jolies, donc je vais les mettre, même si j'aime pas le principe d'avoir des cornes au niveau des genoux. J'ai ma corne un peu plus haut déjà, de base. C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une espèce de... Non, je pense pas que j'y arriverai. Qu'il y avait une espèce de renfoncement en fait. C'est pas grave. Une plante. C'est pas là normalement sur quoi, à cet endroit là qu'on est censé tomber sur des loups normalement ou un truc comme ça. Je suis vigilant. The roads twixt Gran Soren and Cassidus were once well traveled. Eh ben, il n'empêche que si tu tombes, ça pue. Hein. Puis ça pue sévèrement. Hein.
Il n'y a pas une question aussi normalement de deux de harpies. Je ne sais plus. Là, il y a un chemin. Chemin qui nous emmène à l'ogre. Aïe. Cap d'épaule. Il y a une canchille, je me suis dit bon, on va plutôt se... Il est là, hein. Il est bel et bien là, hein. Bah c'est tant mieux, tiens. On va pouvoir se le faire. Encore faut-il qu'on arrive à descendre. Ah, bah apparemment, c'est pas par là qu'on va descendre. Oh oui, c'est dur par là. Ouais, ça fait mal. Meurs, meurs, meurs. Bien joué. Niveau 16. Oh. Ouais, mais enfin bon, on devrait pas être là. Clairement, on devrait pas. Non, pas de cailloux. We have triumphed. Did it. Goblin kin, perhaps. Une famille de gobelins, ouais, effectivement. Bouf. Morceau de fer. Hop là. Hop. Ok, il rapporte l'XP. L'XP qui nous plaît, hein. En quantité vraiment intéressante. Hop. What the fuck. Alors pour vous dire, chers amis, le PC à côté là, il est resté allumé toute la nuit. Avec le son, il m'a pas fait ça. Hein. Hop. Non, tu restes au sol. Hop. Alors, fait beaucoup de mal celui-là. Hein. Ah non, elle en peut plus. Elle veut bourrer du gobelin. Les pierres du courage. Oh là. 20 dénués, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Bannière royale, intéressant. Écoute, soignons-nous alors. Hop. Par contre, on va devoir refaire tout le tour. Ça, c'est déjà plus gênant. Hop, voilà. C'est fait. Tu peux prendre la terre à plante, s'il te plaît, merci. Oui, prends-le si tu veux. Oh, du vin. Enfin, du raisin, pardon. Du vin directement qui tombe de l'arbre. Il y a un mec là-bas, on est d'accord. Oui, voilà. Là, il y a un coffre aussi. Blow to the head, it hates fire.
Si, si, Sparta, non, tombe pas. Hop. On t'a de doigts de tomber, hein, je me trompe pas hein, quand je dis ça, je pense. Hein. Une petite bourse. J'aime que les grosses bourses, comme les miennes. Enfin bon, j'aime, tout est relatif, bien sûr. Hein. J'ai employé le terme j'aime parce que voilà. Bourse, encore. Branche de pain, bah écoute, si tu veux prendre absolument une branche de pain, prends-la, hein, je vais pas t'en empêcher. Seulement voilà quoi. Je vais forcément te juger derrière. Donc là, on est d'accord. Hop, il a pris tellement cher. Morceau de fer, pourquoi pas. Un autre coffre. Il y a vraiment des coffres partout. Hein. Flèche de sommeil. Qu'est-ce que je disais? Hop. M'en fous, moi c'est de l'XP hein, les gobelins. Hein. C'est de l'XP, les gobelins. Cet endroit ne ressemble à rien à celui de nos noms. Bah si, c'est clairement celui-là. T'es nul. T'es franchement nul. Par contre, il y avait quoi par là? Je rêve ou on descend assez profond là? Ah. Faudrait avoir l'archer d'abord. Hop là. Putain, regardez là-bas. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'archer là-haut? Merci. Oh, il a pris tellement cher le coup. Attendez, il y a un passage pour monter? Il y a un passage. Hop là. Merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le coin au moins? D'intéressant. Non, rien du tout. Heureusement qu'on était censé faire des quêtes. Ah, il y avait un coffre. Hop. Couteau étranger, génial. Ah, cool. Ça nous fait reprendre. Vous voyez, là, il y a un nid de harpie. Je crois qu'il faut tirer dedans avec un arc. Ça fait tomber les œufs. Pour être très précis. Oh là, il est en train de crever d'une crise cardiaque, le pauvre. Oh, les filles, vous ramenez ou pas? Par contre, il doit être bien... Ah non, ça va, il est pas tant... Il porte pas tant de choses que ça, au final. Alors, est-ce qu'au niveau des matériaux, par exemple, on peut faire quelque chose? Combiné. Huile de lard. Combiné. Flèche de sommeil. Ouais, non, pas intéressant. Pas combiné. Hop, on va pas combiner non plus. Jolie pierre, clé squelette. Il m'en aurait fallu. Faut que je pense à les garder sur moi, apparemment. Ah bah, je suis passé à très léger. Parfait. Parfait, parfait. Il y avait un truc par là aussi, il faudrait qu'on y aille. Mais enfin bon. Est-ce qu'on se fait le l'ogre? Je ne sais pas. Je crois qu'on peut se téléporter de pierre en pierre en fait. Hein. Je
Je vérifie. Non? Non, bah. Bon bah non alors. Hein. Ok, pas grave. On se casse. On se casse. On va juste quand même faire une sauvegarde maintenant qu'on est là. Quand même. Merde. Même si de toute façon, quoi qu'il nous arrive, on va se faire baiser parce que dès qu'on sera mort ou qu'il y aura un truc, il y aura une sauvegarde rapide derrière. Alors, est-ce que c'est par là? Parce que je pars par là, mais... Non, c'est pas par là. Hop! Bon, arrête de courir, tu vas crever encore. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus jour, mais enfin bon, ça c'est relatif tout ça. Raté. Tiens, je vous jette le cadavre de votre ami. Hop, et de deux. Le pauvre. Hop. Boum. Dégage. Frau Hollande, arrêtez, arrêtez. Bonjour. C'est fait. Je vous suis redevable, sœur. Je vous remercie, sincèrement. D'après leurs apparences, il s'agit des bandits sudistes. Ceux-là sont pires que des monstres. Grâce à vous, je suis vivant et en un seul morceau, mais ces rats ont pris tout ce que j'avais. Ils ont même emporté ce livre magique. Vous vous intéressez à ce genre d'ouvrage? C'est chez du grimoire de Salomé. Il a apparemment eu la chance de survivre à l'incendie quand la bibliothèque du vieux conseil a brûlé. C'est un ouvrage rare et puissant d'après ce que j'en ai entendu dire. Je l'ai acheté à un marchand de ma connaissance. S'il possède réellement un tel pouvoir, toute la clique de la rédemption pourrait... peu importe. En tout cas, le voilà au moins de ces maudits voleurs. La prochaine fois que nos chemins se croiseront, c'est eux qui verront de quel bois je me chauffe. Oui. Oui, d'accord. Ah non, on clique pas. Un allié, lui. Pas lui. Ok. Donc les bandits du sud, ça correspondrait pas aux bandits qu'on allait voir la dernière fois par là. Bah si. Forcément. Oh. Génial. Un coffre. Écume de dragon. Et des... Du petit bois. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Des grandes noix. Des pierres. Ok, génial. C'est pas là que normalement il y a les loulous. Ah, il y a les loulous. La loulou. Boum. Hop. Fragment de faille. Et vous allez vous calmer, bande de nazes. Pourquoi il est déjà avarié? Appelez. Hop. Anna, tu fais chier. Ah bah il est mort. Le temps que j'arrive jusqu'à la cible, il est mort. Bon bah voilà. C'est que vous êtes efficaces les filles, c'est bien. Oh, merci pour le heal. C'est gentil. Hop. Allez, on y va. On ne perd pas de temps cette fois-ci. Non, y'a rien. Je crois que je m'étais déjà fait avoir la dernière fois. Allez. La pierre qui roule. Ah non, il n'y en a pas. Méfiez-vous des éboulements en chemin. Ils ont bien appris. Hein. Non! Ah! Votre classe a augmenté. Je sais, je suis tellement classe. Hop! Non, Lucie! Eh oh! Le heal!
Hop, je préfère toujours garder un œil sur le heal, merde. Est-ce que vous allez l'attaquer ou pas? Quelle est la question, petite bourse? Hop. Ils sont là. Hop les. Hop, dégage. Joué. Hop, il est mort aussi. Hop les. Vous êtes bien, c'est bien les filles, si vous faites, c'est bien, c'est très très bien. Bon, maintenant il y a le gros groupe de là-bas. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un. Un archer. Un arc, pardon. Aïe. Les deux. J'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Ok, maintenant. Eux. Vous cherchez les noises? Oui. Pourquoi je devrais les éviter? Y'a pas de raison. Aïe. Hey. Hey. Aidez-moi les filles, putain. Relève-toi. Faut que je réussisse à avoir les loups d'abord. Ok. Un de moins. Ok. Aïe. On les a eus. On les a eus. Par contre, ça n'a pas pu donner des filets de bêtes à varier alors que je viens de tuer la bestiole. Alors. Final, t'es dans la merde par contre. Hein. Alors. Voilà le château des bandits. Et si, de mémoire, si je me rappelle bien. Ceux-là m'attaqueront. Ceux-là m'attaquent. Hop. Pas qu'on ait le dos à la bataille, sinon je risque de me faire avoir. Hop, l'archer. Ensuite. Hop, ensuite. Le heal. Il m'attaque dans le dos. Waouh! Waouh, là je prends cher! Hop les! Hop les! What? What? C'était quoi ça? Un archer, putain. Tiens, bouffe. Oh putain. Sans elle, je vais pas y arriver. I'm done for. They're armed, master. I cannot
take much more. I've learned of beasts. En fait, c'est les gros en armure qui font mal. Hop, dommage. Je voulais le prendre au corps à corps. Je n'ai pas pu. Bon. Il va falloir qu'on se soigne, les filles. Donc. Hop, en donner une à Fenia. En donner une à Anna. En donner une à Lucie. Normalement, elles vont l'utiliser toutes seules. Non ? Prendre deux filles. Je peux pas leur dire d'utiliser des trucs. Bon, moi c'est génial. Oui, il y en a un encore là-bas. Il va tomber, oui. Parfait. Hop. Ok, rangez vos armes. On va sauvegarder ici. Hop, normalement, quand je rentre dans le château sans avoir dégainé, je devrais être bon. Surtout pas dégainer. Là, c'est limite si je lâche pas la souris. Comment ça, tu perçois quelque chose qui ressemble à un oiseau mais qui est plus gros? Parce que ça pue si tu dis ça, hein. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Aye, the Grimoire is here with me. D'accord. Sadly, I've no mind to give it up. Nor do I have want of your. C'est pas mon or en échange, moi. Now, if there were aught I wanted, gold had failed. Well, have you the metal, sir? Soyez prudent. Donc, il a bel et bien le trésor, mais je pense que si on peut aller le prendre sans qu'il. Il faut monter, maître. Voilà, vous voyez. Hop, de mémoire. Hein. C'est tout entièrement de mémoire ce que je fais là, chers amis. Hein. Oh putain. Ce jeu m'avait quand même putain de marqué. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il est, il est quand même très très particulier comme jeu. Hein. Hop, et normalement il est là. Putain, oui, c'est ça. Il m'avait carrément marqué ce jeu, c'est incroyable. Oh. Mais c'est vrai qu'il. J'ai souvent eu envie d'y rejouer, mais je ne l'ai jamais fait. En connaissance de cause, en fait, littéralement. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que j'explore tout partout, tout le temps, et que ça me. Allait me faire chier. Voilà, soyons honnêtes, hein, ça allait me faire chier. Maintenant, je croyais que j'étais dans une ville, et, enfin, c'était considéré comme dans une ville. Il y a moult raisons de ne pas trop approcher. Il y a un bandit en bas, mais on va pas l'attaquer, parce que si on l'attaque, on va risquer de se choper tout le campement. Alors là, sur la plage, peut-être y aura des choses, parce que vu comment qu'elle est. Voyons bien d'éviter cet endroit. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a ici qui faille éviter? Y'a rien à éviter ici. Trop con. Rien à prendre, tu me diras. Ça, si, ça y est. Brasse les dents, pourquoi pas. Y'a même du poisson là-bas.
Mais c'est vrai que c'est pas rassurant hein, de voir tout ça à moitié détruit. Ouais. Bon. Bon. Où ça? What the fuck? Ils ont un ogre de combat? Faut y les avoir un par un. Oh la vache, bah non c'est la mort là. Là c'est l'heure de la fuite. Ne retenez pas vos coups. Tu m'étonnes. Est-ce que je peux les combiner avec quelque chose au fait? Oui. Hop. Il faut se barrer. Il faut que nous nous barrions. Là, là, on va pas le handle. On va pas le. Bah oui, tu m'étonnes. T'as vu le nombre qu'ils étaient aussi? Trop du cul. Non, non, je vais pas vous aider, hein. Quitte. Putain, me dis pas qu'elle est restée là-bas. Me dites pas qu'elle est restée là-bas. Ça a failli venir en plus. Bah, tu te téléporteras, je pense, hein. Parce que là on est en pleine nuit, il va y avoir des loups. Ah non, elle va pas se téléporter? Il y avait pas un glossaire quelque part là-dedans? Carnet. Non. Journal. Non plus. Statue. Non. Bon! Ils attendent dans l'ombre, hein. C'est complètement pute. Hop, donner. Non, pas donner. Ajouter du poids. Hop. Vous avez rempli lanterne. Ok. Par contre, j'aurais aimé que tu te téléportes, toi là-bas. Oh là là, je sais pas si elle va se téléporter, ça me saoule. Ah, je me barre, tant pis. Ah, un instant, je vais aller voir sur internet. D'accord, bon bah, d'abord je vais faire le combat. Il disparaît, retourne à la fight. Une paire de failles pour le rappeler à votre pion à vos côtés, d'accord. Hop, surtout pas leur donner l'avantage. Hop. Hop. Hack. Toujours attaquer en premier. Je pensais explorer plus l'endroit, mais au final non. Oh. Non, non, faut courir maintenant. Trop nombreux. Putain. Ils sont trop nombreux. Hop. Ah. Lâche-moi. Merci. C'est Lucie la heal qui fait le plus de dégâts, mais c'est pas grave. On descend.
Alors, est-ce qu'il y a des ennemis dans le coin? Faut qu'on rentre au moins au campement. Campement qui est à droite, vous vous rappelez? Hop. Comprenez que niveau combien? On est niveau 16-17 là, à peu près là. 15 peut-être? Je sais pas, je sais plus. Statue. 17. Intéressant. On n'a pas fini encore notre classe. C'est ça qui m'ennuie le plus en fait. Merci, c'est gentil. Hop. On peut pas remonter. Ça sert à rien, on peut pas remonter par là. Ce qui est bien dommage. J'aurais aimé pouvoir remonter. Mais on va repasser par là pour buter un peu plus de chauves-souris, chers amis. Voilà, hop. Mais nous, on va aller d'abord récupérer notre pion. Alors. Est-ce qu'elle va revenir ou... Voilà, elle revient comme ça, d'accord. Merci. C'est toujours aussi laide. Hein. Merci, merci. Alors, compétences d'abord. Attends. Apprendre des compétences. Athlète vif argent, c'est quoi? Vous pouvez fuir plus facilement durant un combat. Ça aurait été utile. Mais non. Broche d'âme 2. Volonté d'acier, votre corps devient aussi dur que de la pierre, vous ne vacillez plus sous les attaques. D'accord, ça peut être intéressant ça. Mais c'est une compétence d'épée, donc faut que je l'équipe, donc ça me semble pas intéressant. Charge de légion, pâle. D'accord. Hop, je vais mettre les points là. Et toi ma grande, qu'est-ce que t'as? D'accord. Et autre relief, vous pensez que ça marche sur les monstres? Ça pourrait être intéressant, mais pour moi. Maître archer, ça devrait être bon. Ok, éventail de sang, niveau 2. Inverse milite, on a déjà eu le niveau 2. Fracture, vous avez une place basique, il est bien. Oh, sympa ça. Hop, je prends. Cependant, oui, changer les compétences équipées, oui. Non, je vais enlever triple tir. Et on va mettre fracture à la place. Équiper des compétences pour moi. Broche d'âme, j'ai bien pris le niveau au-dessus, on est d'accord. Non? Peut-être que non. Hein. Ah oui, non, j'ai pris ça. Exact. Parce que vous avez vu à quel point c'est efficace de soulever un ennemi. Hein. C'est incroyable. Là, je n'ai rien de plus. D'accord. Alors, je pensais qu'ils vendaient aussi des équipements, mais apparemment non. Non, non, il y a un vendeur devant le truc. Faut que je puisse vendre des choses. Comment il y a un vendeur ici? Même pas. Peut-être qu'il est là qu'en journée, le pauvre. Ça me semblerait normal. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pérou, nous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer aussi dans la bannière vers ma chaîne Twitch, tout simplement, hein, et mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4, Mad Max, Star Wars Battlefront ou encore Agatha Christie's The ABC Murders, et qui vous permet d'avoir des jeux comme ce jeu, donc Dragon's Dogma Dark Horizon, à des prix plus réduits encore que ceux de Steam. Donc voilà, c'est toujours très intéressant de faire des économies comme ça. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre sympathie et votre gentillesse. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo.